Bonjour, mon nom est Stéphanie. J'aimerais parler du rôle de l'enseignant en formation à distance. L'enseignant est ton guide et il t'offre un soutien dans tes apprentissages. Dès la réception de ton matériel, il est très important d'entrer en contact avec ton enseignant. Pour le premier contact, tu peux lui téléphoner ou envoyer un courriel avec ton prénom, ton nom, ton numéro de fiche à 7 chiffres et le code de la matière. L'enseignant pourra s'assurer d'avoir tes coordonnées et ainsi faire un suivi avec toi. L'enseignant pourra te guider dans les cours que tu as à réussir. Par exemple, en français, si tu as un roman à lire, il est très important d'avoir l'accord de l'enseignant sur le roman choisi. Si tu fais un cours de chimie, l'enseignant pourra te parler des activités en laboratoire à faire. L'enseignant t'accompagne dans tes apprentissages. Par la suite, si tu as des questions ou besoin d'explications, tu pourras communiquer avec ton enseignant par courriel, par téléphone ou par visioconférence sur rendez-vous. Afin de s'assurer de ta compréhension de la matière, l'enseignant t'enverra des devoirs. Ces travaux seront corrigés par l'enseignant. À défaut d'avoir un ordinateur, nous te suggérons d'aller dans la bibliothèque de ton quartier. La formation à distance demande aux élèves de développer de la débrouillardise et de l'autonomie. N'hésite surtout pas à aller sur le site de Formation EDA ou Alloprof pour approfondir tes connaissances. Éventuellement, un pré-test sera envoyé pour vérifier si tu es prêt pour ton examen. Si c'est le cas, l'enseignant pourra t'inscrire en séance d'examen dans un des 4 centres de formation des adultes de la Commission scolaire Marguerite Bourgeois. Finalement, l'enseignant communiquera avec toi pour te donner le résultat de ton examen. Si tu as déjà un plan d'intervention mis en place dans un autre centre, il serait bon d'en informer l'enseignant. Celui-ci pourra adapter son enseignement et ainsi trouver des outils pour t'aider à réussir. Ce lien entre toi et l'enseignant est un élément crucial à la réussite d'une matière.